Ben, alors les enfants, moi je m'appelle Steve, je suis le directeur de la colonie. Je sais qu'on n'a pas eu bien le temps de se présenter. Voilà, c'est fait. Bon alors, pour la plupart d'entre vous, je sais que c'est la première fois que vous animez une colonie de vacances. Je tiens à vous assurer tout de suite, l'animation c'est une grande famille. Alors il n'y a pas de problème, moi je vous aime déjà, on est déjà copains, il n'y aura pas de soucis. Hein? Par contre, s'il y en a un qui dit une vulgarité dans ma colonie, hein, bien sûr, je le mets à la porte tout de suite. Hein? Je veux pas de gros mots, sinon je lui fais chauffer les couilles au cours au bouillon, voilà. Bon, alors, quelques petites consignes de précaution. Vous ferez attention, à la cantine, il y en a beaucoup qui mangent pas de porc. Bon, ça, à la rigueur, on les reconnaît facilement, c'est pas ça le problème. Non, c'est simplement, vous ferez attention à l'œil nu. On distingue pas bien hein, la différence entre les gâteaux au chocolat et les côtelettes de porc, il faut se méfier, c'est comme ça la colonie. Hein. S'il y en a un qui se blesse, surtout, vous le dites à personne, après c'est moi qui me fais engueuler. S'il y a un bleu, vous mettez un petit peu de peinture rose dessus pour rassurer le gamin. Hein. S'il y en a un par contre qui tombe dans le coma, vous le mettez sous la couette en attendant que ça se tasse, on croira qu'il dort, il n'y aura pas de problème. Hein. S'il y en a au milieu de la nuit qui se réveillent parce qu'ils ont peur du noir, bon, vous connaissez la chanson, hein, vous leur dites que de toute manière, les monstres, ils attaquent aussi la journée, alors autant dormir. S'il y en a qui pleurent parce qu'ils veulent voir leur maman et leur papa, et... bah, vous leur dites que s'ils continuent à pleurer, les parents ne viendront pas les chercher. Ah. L'essentiel, les enfants, c'est de préserver l'équilibre du gamin. Et sa sécurité.